Bonjour à tous, je suis Monsieur Tadine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadine Food, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, nos missions sont celles, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nos missions sont celles de la sécurité, de la santé et de la souveraineté alimentaire de l'Afrique grâce à la biotechnologie. La biotechnologie, pourquoi? Parce que c'est la seule voie durable et efficace, techniquement et scientifiquement, biologiquement, qui va permettre à l'Afrique de retrouver sa souveraineté alimentaire et de développer les meilleurs traitements contre les maladies et les infections. Dans cette vidéo, il est question de répondre ou bien d'attirer l'attention d'un certain nombre de producteurs ou bien de promoteurs ou bien d'entrepreneurs agricoles. Alors, est-ce que ce sont toutes les cordes, parce que la majorité appelle ça corde, des patates qu'on plante. Non. On ne plante pas n'importe quoi, n'importe quelle plantule, ou bien corde, comme les gens l'appellent, dans la production de la patate. Parce que toutes les cordes n'ont pas la même teneur en termes de matériel génétique, en termes d'information génétique, en termes de code génétique. Chaque, ici en image, on a trois plantules ici. Les trois plantules n'ont pas le même ratio ou bien la même teneur en termes de matériel génétique ou bien en termes d'information du code génétique. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut absolument vous former avant de vous lancer dans la production de la patate douce. Parce que toutes les cordes, comme les gens l'appellent, ou bien alors, tout le matériel n'a pas, ou bien alors, pour être très près, très à terre, chaque plantule, ou alors chaque partie de la corde de la patate a son information génétique. Donc, ce n'est pas la même teneur selon qu'on est au début ou bien à la fin, ou bien au milieu. Donc, il faut faire très attention là-dessus pour pouvoir atteindre vos objectifs de performance. Merci et à bientôt.